Good morning, Aleiden. Nous sommes le mardi 12 Adar Bet 5776 et l'étude sera Leilu Nishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara et Lirfuat Tzvi Dov Ben Chaya. Nous étudions Baba Kama Perek Vav Mishnah Hei. Amadlik Atagadish Vayubo Kelim Vedalku. Rabbi Yehuda Omer Yeshalem Mashe Betocho. Vachachamim Omrim Eno Meshalem El Agadish Shel Chitim O Shel Seorim. Aya gedi kafut lo ve'eved samuch lo ve'nisraf imo chayav. Eved kafut lo ugdi samuch lo ve'nisraf imo patur. Umodim chachamim lerabbi Yehuda b'madlik et habira shu mishalem kol ma shebetocha sheken derech bnei adam laniach babatim. Une nouvelle Mishnah qui continue le nezek de Esh, le feu, celui qui incendie la propriété de son voisin, en nous apprenant à présent une halakha très particulière qu'on trouve uniquement dans le Esh, dans le Nézek du feu, c'est la notion de Tamun Ba'esh, les objets dissimulés, enfouis, cachés du feu. Le pasouk qu'on va en apprendre dans la Mishnah d'hier, on rapportait le pasouk qui disait « Kitetse Esh ou Matza Kotsim » lorsqu'un feu se déclarera, ou Matsak Osim, qui trouvera des épines, des buissons, Vener Al Gadish, et qu'il a mangé une meule de blé, Oakama, ou encore du blé en épi, Oasadeh, ou bien qu'il est parti, qu'il a brûlé le champ du voisin. Et donc la Mishnah, la Torah nous disait, Shalem Shalem, Amavir et Abera, qu'il faudra rembourser. Il y a sur chaque mot que la Torah insistait sur les différents cas que le feu a brûlé, alors nos maîtres déduisent de là-bas une halakha particulière, Venechal Gadish pour apprendre quelque chose, ou Akama pour quelque chose d'autre, ou Asadeh, on l'avait appris pour hier, c'était la notion du champ labouré qu'il a abîmé. Mais en tout cas, sur le fait que la Torah dit ou Akama, ou que le feu est parti et a brûlé le blé en épi. Akama, c'est le blé planté, quand il est encore debout. Alors, nos maîtres déduisent de là-bas qu'on est chayav sur le feu uniquement sur les objets qui étaient dévoilés, pas les objets dissimulés. C'est-à-dire, s'il y avait une meule de foin ou une meule de blé et que le nizak, l'endommagé, avait là-bas caché des objets, alors je ne devrais pas lui rembourser ces objets-là selon leur prix coûtant, mais uniquement calculer le volume qu'ils occupaient et rembourser selon ce que le feu est parti brûler. S'ils étaient une meule de blé, donc il faudrait que je rembourse du blé, on considérera que... Ouais, d'accord. C'est clair, c'est une halakha très originale, qu'on retrouve uniquement dans le Esh, qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire, si mon taureau est parti piétiner des tomates, en écrasant les tomates, il y avait en dessous des figues, et qu'il a tout écrasé, que les figues coûtent bien sûr beaucoup plus cher que les tomates, et bien je devrais lui rembourser à la fois les figues comme les tomates, et on ne fait pas de différence. Spécialement pour le feu, on dira non, selon ce qui est apparent, alors tu rembourses tout comme si il n'y avait que cette chose-là. C'est une halakha très particulière. Avant de faire ça dans les mots, juste je vous explique la structure de la Mishnah. La Mishnah va nous apprendre dans les détails deux cas de figure de Tamun Ba'esh, qu'on va tout de suite expliquer à l'oral après avoir lu cette partie de la Mishnah. Mais en plein milieu, on va faire une petite pause sur cette halakha du Tamun Ba'esh pour expliquer une notion qu'on a déjà apprise, la notion de Kimli Bederabba Miné. D'accord ? C'est un peu compliqué en présentation, c'est pas tellement bien structuré en apparence en tout cas, c'est un peu trompeur, mais ce sera pas tellement compliqué, d'accord ? Donc première notion, premièrement, c'est nous apprendre de manière générale la notion des objets dissimulés, et on va apprendre tout de suite qu'il y a en réalité une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, ça n'existe pas, une halakha pareille, on doit payer tout ce qu'il y a dans le tas, et selon Chachamim, on ne paye que ce que le tas en apparence présente. Donc on fait ça dans les mots. Amadli Katagadish, celui qui allume une meule de blé. Vayubo Kelim Vedalku. Et il y avait dans cette meule des objets qui se sont brûlés. Rabbi Yehuda Omer, Yeshalem Mashe Betocho. Rabbi Yehuda nous dit qu'il rembourse tout ce qu'il y a dedans. Normal, non? Vachachamim Omrim, Eino Meshalem El Agadish El Chitim Oshel Seorim. Il ne le dédommagera qu'en lui payant le prix de la meule de blé ou la meule de séorim d'orge. C'est-à-dire,
la place, on considéra que c'était une meule bien pleine, donc on va pas juste dire je te rembourse pas ton, supposons qu'il y avait dedans, je sais pas moi, quoi comme outil, par exemple, d'accord, il y avait des outils, il y avait sa faux, peu importe, et donc on dira je devrais pas moi te rembourser le prix coûtant de cet outil, mais on considéra quand même que la place occupée était du blé et je devrais rembourser le prix du blé. Bien sûr, si l'objet coûtait moins cher que du blé, je ne te rembourserai pas à la place du blé parce que je vais pas payer plus cher que le dommage que je t'ai causé. Mais malgré tout, je ne payerai pas plus que ce que c'était en apparence. D'accord ? C'était la notion pour la première partie de la Mishnah. Voilà pour le premier niveau de la machloket entre Rabbi Yehuda. On va l'expliquer en fait, on va rapporter trois niveaux. C'est-à-dire, on va apporter tout de suite un deuxième cas maintenant, une deuxième discussion incluse dans cette première discussion que c'est en fait la fin de la Mishnah qui va nous l'enseigner. Toute cette halakha-là de tamoun bej, des objets dissimulés que je suis dispensé de rembourser, c'est uniquement lorsque j'allume un feu chez moi qui se propage chez le voisin. Parce que la Torah nous a dit « kitetse esh » lorsque un feu sortira. Donc le feu était initialement chez moi et qu'il est parti ensuite se propager chez le voisin. Ça c'est « kitetse esh ». C'est pas moi qui suis, je ne suis pas parti allumer directement. Par contre, si je vais allumer directement chez le voisin, même Chachamim pense que je dois le dédommager même, lui rembourser même les objets dissimulés. Il n'y a plus de halakha de tamoun bej. Pour le moment, tout va très bien. Certes. Mais une petite complication. Il y a une halakha générale, une discussion qui ne concerne pas que les lois de Hesh, mais qui concerne en fait toutes les lois. On va prendre directement le cas que la Gemara dit, un cas assez fort. Supposons que un stylo, je prends le stylo de mon voisin, pour l'énerver, je le prends et je le jette à la mer. Donc je le fais perdre 10 shekels. Mais il s'avère qu'en fait dans ce stylo, ce grand chacham là, en fait il cachait dedans une pierre précieuse. Donc en fait, quand j'ai pris ce stylo et je le jette à la mer, je ne l'ai pas fait perdre que 10 shekels, je le fais perdre 5000 shekels, le prix de la pierre précieuse qui était en fait caché à l'intérieur du bouchon là-dedans. D'accord ? Est-ce que je vais lui rembourser ces 5000 10 shekels ou uniquement les 10 shekels ou éventuellement un peu plus, mais sûrement pas les 5000 shekels. Il y a sur ça une discussion. Selon Chachamim, même lorsque je prends concrètement son objet et je le jette à la mer, il y a une... je pourrais affirmer malgré tout, dire que je ne m'attendais pas à un coup pareil, je suis anus sur un cas pareil. C'est assez difficile à encaisser, mais en tout cas, comme ça, la Gemara le dit explicitement. La Gemara parle du cas où je prends sa bourse et je le jette, et qu'il y avait dedans une pierre précieuse, mais de manière que c'était quelqu'un qui n'avait aucune possibilité, aucun moyen de posséder des pierres précieuses, donc c'était complètement inattendu. Et la Gemara nous dit, selon Chachamim, je suis dispensé de le dédommager, je ne devrais pas le dédommager, mais mettre. Je devrais le dédommager jusqu'à que ce qui était logique, plausible, chez une personne de ce niveau social, possède. D'accord ? Et Rabbi Yehuda nous dit, non, Atkama, puisque de toute façon tu es en tort au moment où tu prends l'objet, tu le jettes, on s'en moque si tu t'y attendais ou tu t'y attendais pas, tu ne t'y attendais pas, Adam Mouad Leolam, tu es responsable de tes actes et tout ce que ça implique, donc tu devras rembourser intégralement. Ça, c'est une discussion annexe que l'on va retrouver en fait dans cette Mishnah. Lorsque je vais allumer chez le voisin. On a dit que Chachamim, cette fois-ci, seront d'accord que je ne suis, j'ai plus la dispense de payer les objets Tmounim. Je dois les payer intégralement. Mais malgré tout, Chachamim nous dit tu payes intégralement ce qui est plausible, ce qui est logique, qu'il possède, mais pas ce qui est complètement inattendu. D'accord ? Ça se retrouve dans la dernière partie de la Mishnah. Et on va tout de suite la lire, de manière à habiller tout ce qu'on dit dans les mots directement, et ensuite on expliquera la deuxième partie de la Mishnah, et éventuellement on reprendra d'un coup toute la Mishnah, avec histoire de lire la Mishnah et de l'expliquer selon l'ordre qu'elle est écrite. La dernière partie de la Mishnah, c'est « Umodim Chachamim le Rabbi Yehuda bemadlik et Abira ». Chachamim reconnaît à Rabbi Yehuda qu'il y a un cas où on payera intégralement même les objets dissimulés, « bemadlik et Abira », lorsqu'il va allumer la bira. La bira, concrètement, ça pourrait être un château, c'était une belle demeure, une villa, peu importe. D'accord, ça s'appelle une bira. On va même en parler dans la prochaine Mishnah. La demeure du voisin. Donc s'il va allumer directement la demeure du voisin, Chachamim sont d'accord à Rabbi Yehuda qui doit payer tout ce qu'il y a dedans. Sheu meshalem kol ma shebetocha, qu'il devra le dédommager intégralement, payer tout ce qu'il y a dans cette bira, tout ce qu'il y a dans cette villa.
Sheken derer bene Adam l'aniar babatim, car tel est l'usage des hommes de posséder dans leur maison, d'avoir toutes sortes d'objets, et donc, puisque je vais allumer chez le voisin, je dois déjà lui payer tous les objets dissimulés. Et puisque l'usage est de posséder toutes sortes d'objets dans une maison, donc je devrais lui rembourser tout. Concrètement, comment est-ce qu'on va savoir ce qu'il y a dedans? Petite connaissance, quoi, la Gemara nous l'explique, c'est rapporté ici par le Melechet Shlomo. La Chachamim, on dit que l'endommagé pourra jurer au Bet Din et nous dire, il y avait tel objet et tel objet, j'avais dans chez moi trois ordinateurs avec, en plus de ça, de l'argenterie, il y avait... Donc il pourra dire tout ce qu'il y avait dedans, et l'autre il devra payer selon ce qu'il a juré. D'accord ? Ça c'était pour les notions de Talmud. Donc on a appris sur ça deux notions. Lorsque j'allume de chez moi et que le feu se propage, je suis dispensé, selon Chachamim, de payer les objets dissimulés. Par contre, lorsque je vais allumer directement chez lui, je dois payer les objets dissimulés, enfouis, cachés. Mais je ne devrais lui payer que ce qu'il y est, que ce qu'il est logique qu'il possède. Mais des choses qui sont complètement inattendues, je ne devrais pas les dédommager. C'est clair ? J'hésite à vous rajouter une dernière notion qui va retourner un petit peu tout, mais il faut quand même le dire, histoire d'enseigner une Mishnah vraie. Mais non, je ne vais pas le dire tout de suite. On va d'abord faire la deuxième partie de la Mishnah, et comme ça, une fois qu'on aura toute la Mishnah en tête, on va rajouter cette notion qui va en fait tout chambouler la Mishnah. C'est un peu difficile, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Pour le moment, on fait la deuxième partie de la Mishnah, la partie du milieu de la Mishnah. La notion de Kimle Bedarabamine qu'on a déjà évoquée. Kimle Bedarabamine, de manière générale, on avait rapporté l'exemple de celui qui tue une personne en lui déchirant sa chemise qui coûtait 400 shekels. Et sur ça, la Torah nous dit, oh, Mishum Risha Achat Atamechayvo, Vi Atamechayvo, Mishum Shter Rishayot. Tu le condamnes à une seule condamnation, pas deux condamnations. Donc, il y a ici une condamnation d'argent et une condamnation de mort. Tu lui donnes la plus grave des deux. Donc, la mort, tu le condamnes à mort, il a plus besoin de payer l'argent. Ça, c'est la notion primaire. La notion maintenant, cette même notion améliorée nous enseigne qu'en réalité, même lorsque tu es dispensé de mort pour x ou y raison, tu n'as pas fait exprès de le tuer. Mais puisque tu as transgressé maintenant, tu as fait une action qui est en théorie condamnable, passible de mort, de ce fait, tu seras dispensé de toujours le dédommager. Ça, c'était pour la deuxième notion. Voilà pour le... D'accord ? Kim le bederaba mine, kim le ta'amid lo ta'ase lo, fais-lui la plus grosse condamnation. Appliqué dans notre Mishnah maintenant avec le feu, ça va se passer comme ça. On va parler d'un cas où j'allume chez le voisin, et il y a là-bas deux choses, son esclave et son gdi, son chevreau, sa petite chèvre. Donc, l'esclave et la chèvre. Selon le cas, si dans mon action d'allumer chez le voisin, il y a une conséquence directe, c'est le fait que je vais tuer l'esclave. Donc, le fait d'avoir allumé le feu est un acte de meurtre. Dans ce cas-là, je serai dispensé de payer à la fois la meule de foin, de blé, à la fois de payer aussi la petite chèvre, parce que là, c'est un acte où je suis condamnable à mort. Par contre, si pour une quelconque raison, je ne suis pas condamnable sur l'esclave, par exemple, l'esclave était un homme libre qui pouvait facilement prendre ses pieds et s'en aller. Et il a préféré rester et mourir. Il en avait marre d'être un esclave. Il s'est suicidé, peu importe, c'est pas le problème de ça. En tout cas, il s'est laissé mourir alors qu'il pouvait s'enfuir. Dans mon acte, je n'ai pas fait un acte de meurtre, de ce fait, je devrais tout payer. Ça, c'est la notion simple, théorique. Concrètement, comment ça se retrouve? Donc, on a déjà évoqué le cas concrètement. C'est si l'esclave était ligoté à côté de la meule de fond, de la meule de blé. Donc, quand j'ai allumé, mon action directe, c'est de tuer l'esclave. Même si ça va prendre 10 minutes jusqu'à que la meule de fond brûle pour ensuite arriver à brûler l'esclave, puisqu'il est ligoté, il ne pourra pas s'enfuir. Cette action-là est un acte de meurtre. De ce fait, je suis dispensé de tout dédommager. Par contre, si l'esclave était libre, était en train de dormir, il se la coulait douce sous la meule de blé, il dormait là-bas, il en profitait, et il ne s'est pas réveillé, mais logiquement, n'importe quel être humain devait se réveiller et partir. Il ne l'a pas fait. Dans ce cas-là, mon acte n'était pas un acte de meurtre. De ce fait, je devrais dédommager sur la petite chèvre, le chevreau. D'accord ?
Concrètement, la Mishnah va même présenter le cas où le chevreau était attaché, mais comme on en apprendra dans le Barthénora, il n'y a aucune différence que le chevreau est attaché ou pas attaché, parce qu'un chevreau, face à un animal, on va pas reprocher à l'animal pourquoi il s'en est pas enfui. L'animal, il est bête et il le reste. Et donc, de ce fait, même s'il était libre et qu'il se fait tuer, je devrais le rembourser malgré tout, tandis que l'esclave, donc il y aura cette différence. D'accord ? Ça, on fait ça maintenant, cette deuxième partie dans les mots. Ayagdi kafut lo. S'il y avait un chevreau kafut lo, qui était ligoté. Ve'eved samouch lo. Et un eved, un esclave qui était à côté. Ve'nisraf imo. Et les deux se sont fait brûler avec le gadi. Avec le gdish. Le tas de la meule de feu de blé. Chayav, je devrais dédommager. Pourquoi ? Parce que j'ai pas fait un acte de meurtre. Même si concrètement, par ma faute, l'esclave en est mort. Mais c'est lui qui ne s'est pas enfui, c'est pas moi qui l'ai tué. D'accord ? Donc je devrais rembourser la chèvre et rembourser la meule de blé. Par contre, Eved Kafutlo, par contre, si le Eved, l'esclave, il était Kafut, il était ligoté, Ugdi Samouchlo, et il y avait à côté de lui le chevreau aussi qui dormait, Venisrafimo, et le chevreau s'est fait brûler, Patour, je ne devrais pas le dédommager. On a fini de lire la Mishnah, on l'a refait comme promis. Dans les mots, depuis le début jusqu'à la fin, Amadli Katagadish Vayubokelim Bedalku, celui qui incendie une meule de blé, Vayubokelim, et qu'il avait dedans des ustensiles Bedalku et qu'ils se sont tous brûlés, Rabbi Odomar Yeshalem Mashebetoho, selon Rabbi Oda, il faudra, Yeshalem Mashebetoho, il faudra rembourser tout ce qu'il avait dedans. Vachachamim Orim, et Chachamim enseigne, Eno Meshalem Elagadish Elchiti Moshel Seorim, tu ne devras le dédommager uniquement le prix du blé ou le prix de l'orge. Ayak dit Kafutlo, Vevet Samouchlo, Venisrafimo. Par contre, s'il avait un chevreau attaché à l'intérieur, comme ce qu'on a dit, attaché ou pas attaché, c'est pas un problème. C'est juste pour garder la même symétrie. La Mishnah a utilisé le mot Kafut, qu'il était ligoté. Mais ça revient en même. Vevet Samouchlo, il y avait par côté un esclave libre qui dormait. Venisrafimo. Et il s'est fait brûler. Chayav, celui qui a incendié, devra dédommager entièrement le chevreau et le gadish, la meule de blé. Par contre, Eved Kafutlo, si l'esclave était ligoté, Ugdi Samouchlo, et qu'il avait à côté de lui le chevreau, Venisrafimo, et donc tous les deux se sont fait brûler, il s'est fait brûler avec lui, Patour, je ne devrais pas dédommager sur le Gadi, le chevreau, je suis dispensé, étant donné que c'est un acte de meurtre. Kimle Bederabamini. Ensuite, Umodim Chachamim le Rabbi Yehuda Bemadi Ketabira. Chachamim reconnaissent à Rabbi Yehuda dans le cas où il allume directement la bira, le palais, le château, la résidence du voisin. Shiou Meshalem Kol Mashem Betoura, qui devra dans ce cas-là payer tout ce qu'il y a dans cette maison, dans cette demeure, même les objets dissimulés, et quelle que soit leur valeur, parce que cette fois-ci, Sheken Derech Bnei Adam Le'aniach Bebatim, car tel est l'usage des hommes de laisser chez eux des objets de toutes sortes de valeurs, ils possèdent, même les gens à qui on ne s'y attend pas forcément, ils cachent peut-être des billets sous les matelas. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, je vous avais dit, avant de faire le Barthénora, une notion qui va embêter un petit peu, chambouler, pas énormément, mais qu'il va falloir la considérer très important. On va le présenter la chose simplement. Même simplement, ça ne peut pas se faire. Mais je vais quand même, grosso modo, d'abord l'idée générale. On parle du cas où j'ai allumé un feu et qu'il y avait une barrière devant ce feu. Et qu'après avoir allumé le feu, la barrière est tombée d'elle-même et que le feu s'est propagé. Par contre, si j'allume un feu et que le feu se propage directement, toute cette Mishnah n'a plus tellement lieu d'être parce que je serai toujours chayav même quand j'allume chez moi que ça se propage chez le voisin. Vous avez probablement pas compris pourquoi, où je veux en venir. L'idée, elle est simple. Quand on apprenait le Perek Bet, le deuxième Perek, on apprenait qu'il y avait dans le feu deux aspects. Isho Mishum Chitzav et Isho Mishum Mamono. Lorsque j'allume un feu et que le feu se propage, il y a dans ce feu deux raisons pourquoi je suis chayav. D'une part, parce que la Torah m'a dit, autant que tu es responsable sur ton taureau, mon taureau qui va et qui se promène et qui mange, ou qui piétine, et bien mon feu qui va et qui se promène, qui brûle, je suis aussi chayav. Mais il y a plus que ça.
Avoir créé un feu, ça, alors, la première notion c'est Ishom Ishom Mamono. On considère que le feu c'est comme son bien qui va, qui se promène et qui cause des dommages à l'autre. Mais il y a aussi un aspect beaucoup plus fort qui est Ishom Ishom Chitzav. Son feu est considéré comme sa flèche. C'est-à-dire, j'ai créé une force qui se propage d'elle-même, on considère que c'est ma force qui la pousse à partir. Au même titre que, si j'envoyais des flèches. Imaginez que j'envoie d'abord une seule flèche qui avance et qui détruit tout sur son passage. Cette flèche-là, c'est ma force. Si c'est ma force, kocho kegufo. C'est comme si c'était moi qui étais parti concrètement en train de tout déchirer, tout casser sur la route, sur sa route. Et donc, lorsque je crée un feu, je crée une force. Quand le feu se propage, c'est ma force qui se propage. Partant de ce principe, le feu, de cette manière-là, il s'appelle Adam Amazik. C'est un des aigles de Adam, un homme qui cause un dommage. C'est pas encore. Et donc, autant que moi je suis chayav sur les objets dissimulés, et je suis chayav dans tous les chiyuvim particuliers qu'un homme est chayav lorsqu'il cause un dommage, comme on apprendra à Nezek, Saharipoui, Chevet, Bochette. Alors, lorsque je fais ces mêmes dommages avec mon feu, je serai aussi chayav de rembourser ces mêmes choses-là, parce que c'est un homme qui cause un dommage. Alors, quand commence le statut particulier du feu, où il y a des dispenses particulières, comme les Tamoun Baesh, et tout ça, c'est uniquement lorsque. On considère que ma flèche, la force de ma flèche s'est arrêtée. Par exemple, j'allumais mon feu ici, il y avait ici devant lui une barrière, le feu ne devait pas passer cette barrière. Partant de ce principe, ma flèche que j'envoie, elle est censée s'arrêter ici. Si après, pour x ou y raison, pas x ou y, à cause de n'importe quelle autre raison, sauf mon feu qui a brûlé la barrière tombe d'elle-même, il s'avère que le feu qui va continuer maintenant à se propager n'est plus ma force, puisque ma force elle était censée s'arrêter ici, et dans ce cas-là commencera tout le statut particulier du feu où on rendra pas tour de Tamoun Baesh selon le cas. Si j'allume chez moi ou si j'allume chez le voisin, d'accord. Il y a de quoi compliquer énormément pour les plus futés d'entre vous. Vous avez qu'à regarder Rabbi Kiyaveger et comprendre dans ce cas-là c'est quoi le cas avec l'histoire du Gdi et du Eved. Ça devient une grande salade. Mais pour notre propos, je pense qu'on a déjà pas mal expliqué la Mishnah, et on fait très rapidement le Bar Tanora. Amadlik et Agadish, celui qui allume la meule de blé. Sheidlik betor shelo ve'alcha ve'achla betor shel chavero. Qu'il allumait chez lui, attention, il allume chez lui, et que le feu se propage chez le voisin. Et il est parti consumer chez le voisin. Rabbi Yehuda Omer, yeshalem kol ma shebetucho. Selon Rabbi Yehuda, il faudra payer tout ce qu'il y a dans cette meule. De Rabbi Yehuda mechayav nisket amun besh. Rabbi Yehuda condamne à dédommager les objets cachés, dissimulés dans le feu, parce qu'il n'a pas la dracha d'élite, les drachas, il ne tient pas la dracha de Oakama, qu'il y a marqué dans le pasuk Oakama, ou bien le blé en épi, Makama Glouya Afkol Galouy, de là-bas on déduit qu'on est chayav que sur les objets qui sont dévoilés. Par contre, Chachamim nous disent qu'il ne devra payer que le gadish, que la meule de blé. Des Itléou, Dracha, des Oakama, parce que Khamim, ils ont cette Dracha de Oakama pour nous apprendre, ou Patre Al-Nisket Amun Baesh, et donc ils déduisent de là qu'on dispense toujours des objets dissimulés dans le feu. Et là, chez Mesha'arin, Makom Akelim, Keilou, Gadish, malgré tout, ils font, d'accord, je ne vais pas te payer les objets qui étaient dissimulés, mais je devrais quand même te payer comme si qu'il y avait à la place du blé. Au Meshalem, Gadish, Keshiur, Goufan, Shalkelim, il devra payer du blé comme le. Comme si, selon le volume des objets. Au midi qu'à Amré, Seifa, on me dit, Mchachamim le Rabbi Yehuda, Bemedik et Abirach, ou Meshalem Kol Meshav et Tocho. Maintenant, le Bar Tanora nous dit, nous, on déduit cette particularité que c'est uniquement lorsqu'on allume chez soi et que ça se propage. À cause de la suite, de la fin de la Mishnah, où on a enseigné le cas d'après Rabbi Yehuda, que Medik et Abirach, qu'il faudra dans ce cas-là payer tout ce qu'il a dedans. Mouchach bagmara, shenichlegu rabbi yuda b'chachamim gam emadlik betor shel chavero. On déduit de là-bas qu'il y a une deuxième discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Lorsqu'il allume concrètement chez le voisin, chez Rabbi Yehuda Savar, chez Idlik, Beshel Chavero, Meshalem, Kol Mashem Betocho, Vafilo Arnaki. Rabbi Yehuda pense que lorsque j'allume chez le voisin, je devrais lui rembourser tout ce qu'il a dedans, même s'il a caché sous sa meule de foin. Et là-bas, il cache en fait son portefeuille. Verab Arnaki, Arnak. Verabanan Savre,
Kelim shedarkan latmin begadish kegon morigin veklibakar ou de meshalem. Par contre, selon Chachamim, on ne paye uniquement les objets qu'on a l'habitude de dissimuler. Par exemple, dans un gadish, dans une meule de blé, on n'a pas l'habitude de mettre dedans des billets ou des portefeuilles, mais plutôt des morigin veklibakar, des ustensiles qui concernent, en relatif à l'animal qui laboure, la moissonneuse, peu importe, d'accord, ça faut plus. Toutes sortes d'ustensiles des méchalem. Kelim shendarkan latmin bagadish le méchalem. Par contre, des objets qu'on n'a pas l'usage de dissimuler là-bas, ils ne devront pas les rembourser. Balacha ke chachamim, la halacha est fixée comme chachamim, donc tamun beish patour, avec la différence selon le cas. Ayak di kafutlo, maintenant on explique la deuxième partie de la Mishnah. Ayak di kafutlo, si il y avait un gdi, un chevreau, ligoté, des balechaim namit, rabou me oakama. On déduit là-bas qu'on est chayav même sur des balechaim qu'on brûle. Au mishum des kamle beder ba'amine et kal mifterai. La seule dispense que ce cas de la Mishnah évoque, c'est le fait que kimle beder ba'amine, la fameuse halakha de lui donner la condamnation la plus stricte. Deno chayav mita la eved, que deno chayav mita la eved, oil veno kafut ayalo livroar. Alors il nous explique dans la première partie de la Mishnah, lorsque l'esclave était libre. Je ne suis pas condamnable à mort sur cet esclave parce qu'il n'avait qu'à oil vaïal olivroir, il avait qu'à s'enfuir. Ou pas tour à lave, mimita ou minatash lumine. De ce fait, je ne suis pas tour de payer de condamnation à mort, ni même de le rembourser, ce fameux esclave, parce que c'est l'huile qui est dans la lune, il avait qu'à s'enfuir. Avalé maya evet kafutlo, par contre, si l'esclave était ligoté, pas tour à filo à la gadi, à la gadish, je serais dispensé même sur le gdi, sur le chevreau, et sur le gadish, sur la meule de blé, des chayav mita à la eved, des kamle beder abamine. Étant donné qu'il sera condamné à mort sur l'esclave, et dans ce cas-là, on lui dit, kamle beder abamine, ça suffit de donner la condamnation la plus grave, la plus grande, donc d'être condamné à mort et tu ne dois plus rembourser. Au begadi, attention, précision, begadi sur le chevreau, l'oshanelan ben kafut l'endo kafut. On ne fait aucune différence s'il était ligoté ou pas ligoté. Puisqu'on a déjà évoqué le cas dans l'esclave que l'évêque était ligoté, c'est pour ça qu'on a voulu garder une certaine symétrie et parler d'un chevreau ligoté, mais il n'y a en réalité aucune différence. Des madlik et tabira maintenant. La deuxième partie de la Mishnah, Chachamim nous enseigne que celui qui est madlik et tabira, des madlik betor shel chaverohu, qui l'allume directement chez le voisin, va avec eme abed beyadaim, dans ce cas-là il est parti. Activement le faire perdre. Et malgré tout, Rabbi nous dit, tu seras dispensé uniquement parce que derer bnei adam lanir kelim babatim, parce que c'est tu devras lui rembourser tout ce qu'il y a dedans uniquement parce que tel est l'usage de cacher, de posséder chez soi des tas d'objets. Aval begadish derer bnei adam lanir elakivon morigen avec les bakar. Par contre, sur le gadish, la meule de foin de blé, que l'usage n'est pas de laisser là-bas des objets précieux, mais uniquement des morigines avec les bassards, des objets relatifs à l'animal. A falgav d'adlik le torchel chavero, même s'il est parti directement allumé chez le voisin, et non meshalem alibader chachamim, aladvrim shedarkan latmin bagadish, il ne devra le dédommager, selon chachamim, uniquement les objets qui est d'usage de cacher sous le gadish. Et c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Rendez-vous demain, attention demain, Tani Tester. Kol Tuv Selah.